deux, trois. Pas mal. Encore. Alors, essayez de mettre un tout petit peu plus en avant. Celui-là, on est comme se cacher. Un tout petit peu plus de trois quarts. C'est 20 femmes qui sont photographiées dans un studio photo comme des stars. Et elles doivent prendre des poses d'héroïne. C'est un projet qui est porté par la mairie de Niort et qui consiste à mettre en valeur les forces vives que sont les femmes, qui sont parfois dans l'ombre et qui agissent pour une meilleure société. C'est un projet qui est nourri avec de la reliance, de la gratitude et de l'empowerment des femmes. Les héroïnes du quotidien, c'est entre autres les femmes qu'on a applaudies pendant le premier confinement. Les aides-soignantes, les infirmières, les docteurs, les enseignantes sont des héroïnes. Mais la caissière, la boulangère, toutes ces personnes-là, elles sont très importantes pour que la société tienne. On partage ce projet avec Lévi Alric. On a eu l'idée de travailler sur ce projet autour des femmes. Et cette idée, elle s'est concrétisée dans le projet après d'une exposition. Au départ, on voulait valoriser les femmes à travers une installation photographique, c'est-à-dire moi, je faisais un décor peint, donc des fonds photographiques texturés, et Clélia faisait des photos. Et au départ, on ne savait pas tellement dans quel cadre on allait pouvoir les montrer. La mairie nous a proposé d'exposer en fait les 21 portraits de femmes qu'on avait sélectionnés donc au pavillon Grappelli. Et moi, particulièrement sur ce projet, par rapport à cette exposition, je suis en charge en fait de la scénographie plus particulièrement. Donc de mettre les portraits en situation et d'installer un peu le working process du studio photo. C'est d'amener des textures et des colorations différentes de façon à créer des effets, en fait, des couleurs qui viennent se mettre les unes sur les autres et créer en fait des vrais fondus.